Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ et merci que vous êtes tous à l'écoute ce soir pour ce temps de prière, la prière du soir que nous allons prendre dans le livret vert de notre diocèse. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous ce soir. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Tu nous dis dans ta parole que lorsque deux ou trois personnes nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es là parmi nous. Merci Seigneur que tu es présent dans chaque maison de chaque personne qui sont à l'écoute ce soir, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous comment prier. Inspire-nous, Saint-Esprit de Dieu, afin que, Seigneur, nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu qui est fidèle. Tu nous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Merci Seigneur pour ce temps de prière que nous plaçons entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons commencer ce temps de prière à la page 47, à la page 47 de votre livret. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur. À toi la nuit. Toi qui ajusta le soleil et les astres. C'est toi qui fixa les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. Je bénis le Seigneur qui me conseille même la nuit. Mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres. Et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Frères et sœurs, confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, au Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant procéder à la lecture, tout d'abord,
Nous allons prendre le psaume 89, du verset 1er à 37. Je chanterai toujours tes bontés, les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas Rahab, l'Égypte, comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant. Ta main forte. Ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les joies des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je n'en changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres.
J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Nous allons prendre maintenant la deuxième lecture tirée du livre de Néhémie au chapitre 1er. Néhémie au chapitre 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne-nous aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La lecture de l'Évangile est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 23, les versets 13 à 28. Matthieu, au chapitre 23, les versets 13 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu,
Vous en faites un fils de la géhenne, deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impiété. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce soir, nous allons méditer sur le texte de Néhémie. Le texte de Néhémie au chapitre 1er. Et j'ai choisi comme thème à méditer sur ce texte, il est temps pour se lever. Fin l'air pour lever, frères et sœurs. Il est temps pour se lever. En effet, ça fait presque 3 ans. Depuis que ce minuscule virus qui nous appelle COVID-19 fait une paralyse le monde entier. Et nous te connais qui, au cours de ces 2 ou 3 dernières années, mon activité fait une tourne au ralenti. Et bien l'Église, à travers le monde, fait beaucoup souffert en raison de la pandémie. Et alors, nous posons-nous la question, qui nous besoin faire? Est-ce qu'il nous besoin rester inactifs? Est-ce qu'il nous besoin rester les bras croisés en attendant des jours meilleurs? Ou bien est-ce qu'il nous prend la décision pour sortir de notre zone de confort? Prendre la décision pour sortir de notre zone d'inactivité. Prendre la décision pour lever et pour bâtir le royaume de Dieu. Frères et sœurs, il ne faut pas nous laisser nous dominer, envahir, paralyser par le COVID-19. Nous tournons résolument vers Dieu et nous devons faire ce qui, bon Dieu,
demande-nous pour faire. La mission de Dieu, bien continuer, bien sûr, tout en respectant tout le protocole sanitaire. Personnellement, je pense que ce que Dieu envie, c'est qu'il nous lève et nous bâtir, et qu'il nous bise à lever et bâtir maintenant. Quand nous lisons dans le texte de Néhémie, nous rappelle que Néhémie était un juif. Néhémie était un esclave. Néhémie était en exil. Il était échanson du roi Artaxerxès. Néhémie qui occupe une position très importante dans le royaume. Parce que en tant qu'échanson du roi, c'était lui, Néhémie, qui utilisait goûte tous les boissons et les repas du roi avant qu'ils aient servi le repas. Je rappelle que le peuple juif finit expulsé de Jérusalem. Le peuple juif était en exil à Babylone. Le temple de Salomon à Jérusalem finit détruit. Le mur de Jérusalem finit détruit. Les portes de Jérusalem finit brûlées. Des années après, la Perse finit prendre possession de Babylone. Et le royaume de Perse, le roi de Perse finit permettre aux Juifs pour retourner dans un pays. Et c'est ainsi que les frères de Néhémie, Hanani, frère de Néhémie, qui tient Jérusalem, et là, il retourne de Jérusalem, Néhémie pose-lui la question pour connaître qui fin arrive la cité de Jérusalem, cette cité qui bondit tellement content. Et la réponse de Hanani était catastrophique. Et nous lisons dans le verset 3 de Néhémie. Hanani dit dire, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Le mur de Jérusalem finit d'être détruit. Les portes de Jérusalem finit d'être brûlées. Jérusalem n'était plus comme elle était auparavant. Et là, il est important qu'il nous comprend que le mur de Jérusalem, il représente la sécurité, la protection de Dieu pour les habitants de Jérusalem. Et si les murs sont détruits, les pouvaient à la porte grande ouverte pour qui l'ennemi capable pénètre à l'intérieur de Jérusalem et attaque ce ban résident. Frères, nous aussi un ennemi qui appelle Satan. Et la mission de cet ennemi, c'est de dérober, égorger et détruire. Et si notre mur de protection l'y détruire, l'ennemi n'est plus capable de pénétrer dans nous la vie, pour y amener la destruction, la misère, le péché, l'addiction et tout ban fléau qui nous connaît. Et n'a pas rien qui nous capable faire pour empêcher l'ennemi. Le Satan vient attaquer nous si le mur de notre vie l'est détruit et qu'il n'est plus existé.
Donc, nous posons la question, que faut-il faire pour rebâtir ce que l'ennemi a détruit et brûlé? Parce que si Pena un mur, l'ennemi, il peut gagner facilement accès. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour nous rebâtir ce mur-là? Ce matin, ce soir, j'ai envie de dire que Dieu, il peut dire à nous, une lèvre pour lever, une lèvre pour bâtir. Et si nous avons envie de bâtir, si nous avons envie de rebâtir ce que l'ennemi finit de détruire, il y a trois choses essentielles qui nous besoin de considérer. Premièrement, nous besoin de faire une évaluation honnête de la situation. Nous besoin de faire face aux faits brutaux dans notre vie. Nous besoin d'être nous en face dans le miroir de notre vie et non pas casser et jouer la politique de l'autruche. Là, nous trouvons que Néhémie, il fait face à la situation. Il demande ce frère pour d'y aller exactement ce qui finit d'arriver à Jérusalem. Et la réponse de ce frère Anani était claire et nette. Les murs sont détruits, les portes sont brûlées, le peuple est dans la misère, le peuple est dans la honte. Plus rien ne va à Jérusalem. Oui, c'est normalement, dans la vie, nous ne sommes pas contents de faire face à la réalité. Très souvent, des fois, nous préférons la politique de l'autruche. Et nous ne pas les connaître ce que l'ennemi fin prend contrôle de nous la vie. Nous ne pas les comprendre, nous ne pas les réaliser que l'ennemi fin prend contrôle de nous la vie. Que peut-être nos mariages liés en lambeaux, que bonnes enfants viennent bonnes enfants rebelles, qui peut-être bonnes enfants et une addiction à la drogue, à l'immoralité, au péché, et qui nous peut sombrer de plus en plus dans notre dette. Nous préférons blâmer les autres qui guettent la réalité en face dans nos vies. Mais si nous envie rebâtir ce que l'ennemi finit de détruire. La première chose qu'il nous besoin de faire, c'est faire un constat réel et direct de la situation dans nos vies, sans casser nous la face sous aucun prétexte. Alors, il y a plusieurs questions qui nous viennent à l'esprit. Première question, sommes-nous coupables d'accepter la situation telle qu'elle est? Est-ce qu'il nous coupable parce qu'il nous simplement accepté sa situation-là comme elle y était? Là, nous trouvons que Néhémie, quand il finit d'apprendre ce qui n'arrive à Jérusalem, Néhémie pas fin accepter sa situation-là. Néhémie finit assisé, il finit pleurer, et la Bible dit qu'il pendant plusieurs jours, l'étit dans la désolation. Et pourtant, quand nous réalise cela, Néhémie pas tient encore né quand Jérusalem finit de détruit. Jérusalem finit de détruit 141 ans avant la naissance de Néhémie. Néhémie est capable de dire, mais ça a fini d'arriver depuis longtemps, ça. Moi-même patiné ça à l'époque-là. Nous simplement, nous avons accepté lui. Comment elle y était? Non, Néhémie pas fin accepter cette situation. Néhémie refuse pour accepter cette situation. Et ce soir, est-ce qu'il nous a une tendance pour dire? Oui, moi j'ai un problème dans la famille. Oui, moi une personne qui est jaloux. Moi une personne qui est amère. Moi une personne qui est souvent des fois enragée. Oui, moi j'ai un mauvais caractère. Oui, moi violent. Mais qui veut les mots faire? Parfois, nous dire simplement, oui, moi comme ça, moi vous acceptez. Mais je connais, il ne fallait jamais nous accepter. Ça qui est bon Dieu à haïr.
Bon, Dieu a le fait que Jérusalem, que Dieu tellement content, finit détruit. Bon, Dieu envie que Jérusalem est capable d'être rebâti. Et par conséquent, parce que bon Dieu pas content que Jérusalem finit détruit, Néhémie aussi haïr cette situation. Il refuse d'accepter cette situation. Donc, première chose qui nous a réalisé, est-ce qu'il nous coupable? Qu'il nous simplement accepté situation que nous étions aujourd'hui? Mais deuxièmement, question qui nous a posée, est-ce qu'il nous coupable du péché d'apathie? Le péché d'apathie, ça veut dire, nous pas les faire non rien, nous pas sentir nous concernés et nous dire, who cares, pas casse la tête. Jérusalem était précieux pour Dieu. Jérusalem était spécial pour Dieu. Bon Dieu est clair pour Jérusalem. Et par conséquent, Néhémie aussi est clair pour Jérusalem. Néhémie fut assisé, fut pleuré, fut lamenté pendant plusieurs jours à cause de la situation à Jérusalem. Est-ce que nous sentons-nous concernés par les choses qui concernent Dieu? Pas mal quelque chose qui touche mon Dieu profondément dans ce éclair. Frères et sœurs, n'acceptez jamais les choses qui ne font pas plaisir à Dieu. Jamais ne pas accepter bonnes affaires qui ne font pas plaisir à Dieu. Les moralités, les péchés du monde, ne pouvez pas nous accepter cette situation. Si il y a l'Église qui est vide, si il y a une congrégation qui est insignifiante, si il n'est plus un jeune dans nos congrégations, il ne faut pas nous accepter cette situation. Tout ce qui brise le cœur de Dieu, les brise nous les cœurs. Le cœur de Néhémie était brisé parce que le cœur de Dieu était brisé par le désastre à Jérusalem. Mais troisième question, est-ce qu'il est coupable du péché de négligence? Est-ce que nous finissons négligents dans nous la vie quand nous pensons ce qui finit arrive au milieu de Jérusalem? Ce n'était pas uniquement que les Babyloniens finissent venir et finissent briser le milieu de Jérusalem et conquérir Jérusalem. Nous nous rappelons que Dieu pendant des années finit soutenir le milieu de Jérusalem. Et il protège Jérusalem contre ban ennemi. Malheureusement, le peuple juif, il commence à faire péché contre Dieu. Ils continuent dans le péché, année après année. Et finalement, il arrive un temps que de patience, bon Dieu, il arrive à ce limite. Que de bon Dieu, il retire sa protection et il laisse l'ennemi et dans le libre cours pour envahir Jérusalem et détruire le mur. Bon Dieu, pas fin retire sur la main de protection un seul coup. Mais petit à petit, au fur et à mesure, bon Dieu retire sur la main de Jérusalem à cause de nos négligences. Nous négligeons les choses qu'il nous supposait faire en tant que chrétiens. Nous continuons à commettre le même péché. Nous sombrons dans l'indifférence, dans l'apathie. Et cela y est arrivé petit à petit dans nous la vie. Quand nous avons un champ, un carreau que les épines, les ronces peuvent pousser, les épines ne peuvent pas apparaître du jour au lendemain. Mais petit à petit, ce ban épine là fin poussé et finalement, je fin vin ban grand arbre. Comment est-ce que le muraille dit fin écroulé? C'est petit à petit, frère et soeur. Un petit péché par-ci, un petit péché par-là. Comment un couple lui arrivé pour se séparer? Comment une famille lui briser? C'est toujours petit à petit. Que nous négligeons les choses qui nous utilisent à faire. Rien n'arrive tout à coup. C'est des années de négligence.
Des années que nous faisons l'église, nous quiet time, nos relations avec bon Dieu, nous l'engagement dans l'église. Des années que nous faisons courir après les plaisirs de ce monde, au lieu qu'il nous tourne nous vers bon Dieu. Alors qu'il bon Dieu continuellement peut tendre la main vers nous. Donc la première chose qui nous besoin comprendre, c'est qu'il d'abord nous besoin faire face à la situation. La situation telle qu'elle est aujourd'hui. Nous guette la réalité en face. Est-ce qui nous fait être coupable de l'indifférence, de l'apathie? Est-ce qui nous fait être coupable de négligence? Mais deuxièmement, nous besoin être ouvert à la conviction de Dieu par le Saint-Esprit. Nous besoin rappeler, Dieu n'est pas condamné, mais Dieu nous convainc nous du péché. Dieu pointe sur les doigts, là que nous finissons faire péché, là que nous finissons ouvrir une brèche dans notre mur. Et quand bon Dieu pointe les doigts et montre nous que nous finissons faire péché, il y a des manières nous capables de réagir par rapport à la conviction de Dieu. Et ces deux manières sont mauvaises. Quand Dieu les met nous devant ce miroir et les commence discipline nous. Premièrement, dans Hébreu, il dit comme cela, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » La première attitude, c'est qu'il parfois ne pas faire cas, ne pas prendre compte de la conviction de Dieu. Quand Dieu les convainc nous du péché, nous prend lit à la légère et nous dire, vous sous la grâce, vous capable de faire ça qui m'envie. C'est d'ailleurs l'attitude de Caïn. Bon Dieu, tu dis à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, il ne fallait pas nous apprendre cas quand bon Dieu lit convaincre du péché. Mais deuxièmement, l'autre extrême, c'est d'abandonner et de jeter l'éponge quand bon Dieu convainc nous du péché et de nous bannir manquement. Quand Dieu dit à nous, te fais une cause mentie, te fais une faire péché, te fais une histoire à la convoitise, te n'es plus un bon papa, te n'es plus un bon leader, c'est à cause de cela que l'ennemi fait rentrer, fait détruire ton mur de protection, fait détruire toute la famille. Il ne fallait pas nous dire, ah, moi, mon mauvais, moi, abandonné, moi, je n'ai plus capable, moi, comme ça, même moi. Il ne fallait pas nous dire cela, frères et sœurs. Aujourd'hui, bon Dieu dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu n'est pas convaincu du péché pour détruire nous, mais pour changer nous pour le meilleur. Le diable veut prendre la conviction de Dieu et la détourner pour la transformer en condamnation. Nous devons répondre à la conviction de Dieu dans la repentance, l'accepter et prendre la décision pour changer. Et donc, troisièmement, il faudrait avoir une volonté pour changer. Il faudrait dire, Dieu, change-moi. Dieu a convaincu Néhémie et la nouvelle concernant Jérusalem a brisé son cœur. Alors, il commença à prier dans ce sens. Qu'est-ce qui est mis sur la prière, Lydia? Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs et les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis
à Moïse, ton serviteur. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour changer? Premièrement, la confession et la repentance. Néhémie n'a pas fini de dire, Seigneur, le peuple qui vivait à Jérusalem 141 ans avant, c'est votre faute. Vous avez fait les Babyloniens envahir Jérusalem. Vous avez fait détruire le mur. Je ne suis pas responsable. Moi-même, pas tiens encore au nez, ce jour-là. Au contraire, Néhémie n'a pas fini d'adopter cette attitude-là. Mais Néhémie fin assume sa responsabilité. Et Néhémie fin dire dans cela prière, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse. Si l'on veut être sérieux, donne-nous la prière. Nous commençons par jeûner. Dieu, observe-nous quand nous jeûnons. Comment tu observes le peuple de Ninive, qui tu décrètes un jour, une période de jeûne et de prière, pour implorer bon Dieu pour ne pas détruire Ninive. Néhémie fin prier, Néhémie fin jeûner, et Néhémie fin pleurer. Frères, nous devons être sensibles aux choses qui brisent le cœur de Dieu. Il ne suffit pas simplement de confesser et de repentir. Nous devons prendre un engagement pour nous lever et pour nous bâtir. Néhémie fin dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. C'est bon de confesser, c'est bon de repentir, mais les murs sont encore détruits et il nous faut prendre un engagement de nous lever pour rebâtir ce qui a été détruit par l'ennemi. Il nous faut prendre la décision et l'engagement de nous lever pour bâtir notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie de cellule, notre vie de l'Église. Et il ne faut jamais dire « il n'y a rien à faire, c'est trop tard, je jette l'éponge ». Non, frères et sœurs, il n'est jamais trop tard. Dieu est un Dieu de miracles. Et aujourd'hui, moi, tu as envie de rassurer les autres, et moi, tu as envie d'encourager ce soir, frères et sœurs. Fais une lèvre pour lever. Assez renvoie à plus tard. Plus tard sera peut-être trop tard. Et que en 2023, nous puissions dire, Seigneur, je veux être changé. Change-moi, Seigneur. Amen. Is crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. He'll come with justice and set captives free. Mighty is the Lord. Listen, O children of Israel, return to the the promise from the prophets of old. He'll send the Savior of the world. And I say, prepare the way, prepare the way, prepare the way of the Lord. Prepare the way, prepare the way, prepare the way of the Lord. Oh, come divine Messiah, have mercy on my world. Save me from darkness, bring me to light, hear my cry, O Lord. For you alone are the Holy One, God's begotten Son. Come to my world, Jesus, I love you. I lift my voice and I say, prepare the way, prepare the way, prepare.
Ce soir, Frère, nous allons continuer avec notre temps de prière. Le cantique de Siméon à la page 52. Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations. Et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons affirmer notre foi en Dieu à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Page 54. Seigneur, c'est avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble cette prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Esprit Saint nous soutienne. Nous allons prendre la collecte du vendredi. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort, tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés. Que nous puissions à la fin nous endormir en toi, et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent, et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Page 58, action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as fait. Nous te bénissons. Parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable,
Tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions. Rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous remercions-toi pour ce temps béni dans ta présence. Merci pour ce temps de prière. Merci que tu étais à l'écoute, Seigneur, de toutes nos prières. Maintenant, Seigneur, nous faisons monter vers toi nos prières personnelles. Alors, nous allons garder un temps de silence et je vais vous inviter à faire monter vers Dieu vos prières personnelles. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant que tu dis dans ta parole que tes oreilles n'est pas trop sourdes pour t'entendre, ni que la main n'est trop courte pour venir à notre secours. Mais si souvent des fois, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui empêchent d'atteindre la prière. Merci Seigneur que nous ne finissons pas un temps de repentance, de confession, qui te finissons pardonner nos bons péchés. Et que Seigneur nous la prière, il monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Car Seigneur, tu es un Dieu qui est bon Seigneur. Lente à la colère, riche en bonté. Tu es un Dieu de compassion, Seigneur. Seigneur, veille sur nous comme la prunelle de tes yeux, de la main bénie de repose sur nous. Et la grâce de Dieu est surabondée dans nous la vie, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés donc à la fin de ce temps de prière. Merci que vous étiez à l'écoute. Je vous remercie beaucoup et je profite de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël, une sainte Noël et une bonne année 2023. Au revoir et bonne nuit.